jeune femme, 38 ans. Non, je n'ai 38 ans que le mois prochain. Donc ça fait 35. Jeune femme, 35 ans, jolie. Oh, ça c'est vrai. Intelligente. Sûrement. Sportive. Oui. Ça les tente, sportive. Les hommes s'estiment toujours sportifs, même avec les pieds plats, les genoux cagneux et le cœur en détresse. Bon, quoi encore? Aimant la vie. Oh, dangereux, ça peut les terroriser. Il faut plus de réserve, quelque chose comme... prête à aimer la vie après grave désillusion. Le piège à Nigo. Ils ont un si vif désir de consoler. Ah, argent maintenant. Fortune? Oh, c'est excessif. Disons, grande aisance, espérance prochaine. Avec ça, s'ils ne sautent pas sur l'hameçon. Ah, la suite, cherche vu mariage, monsieur, profession libérale préférence, âge et situation en rapport. Jeune femme, 60 ans, elle repassera la jeune femme. Jeune fille, 19 ans, non, trop jeune, pas pratique. Jeune femme, 35 ans, jolie, intelligente, sportive, prête à aimer la vie après grave désillusion, grande aisance, espérance prochaine. Cherche vu mariage, rencontrer monsieur, préférence, profession libérale, âge et situation en rapport. Écrire, mais... Bien entendu qu'on écrit, madame. Voyons, qu'est-ce qu'on sera? Médecin. Non. Elle demandera sur le champ une consultation. Non. Avocat. Bon, elle s'étonnera qu'on ne plaide pas plus souvent. Conseiller juridique. Eh bien, mon vieux Maxime, écris. Madame ou mademoiselle? Madame. Ah, madame. Je suis Maxime. Maxime Chenevière. Vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, je suis celle que vous comptiez rencontrer. Mon prénom est Elvire. Elvire? Un peu commun, n'est-ce pas? Non. S'il est une chose dont nul ne soit responsable, c'est bien de son prénom. Elvire, cela vous plaît? Infiniment. Non, ne répondez pas encore, ce serait par des fadaises. Un jour, peut-être, vous m'avouerez celle que vous préférez. Celle de Molière ou celle de Lamartine? La religieuse séduite par Don Juan dont elle exige la contrition? Ou bien l'amoureuse toute naïve? Eh bien, mon Dieu, je... C'est à l'amoureuse que vont mes préférences. Parce que elle est une figure multiple. L'expression de toutes celles qui occupèrent peu ou beaucoup le cœur de Lamartine. Oui. Toutes les femmes en une seule, en quelque sorte. Voilà. Mmh. Nous avons fait beaucoup de chemin déjà sur le simple énoncé de mon prénom. Pour une première rencontre. Mais peut-être est-ce le décor de ce jardin, les oiseaux, le calme. J'ai rejeté d'un coup les incertitudes, les questions que je me posais. Moi aussi. J'ai hésité longtemps avant de publier cette annonce. Comment trouver l'élu parmi tous ceux qui me répondraient? Et puis j'avais honte. Me mêler à cette cohue de candidates, dont chacune a pour souci de mentir sur elle-même. Croyez-vous les candidats moins menteurs? Monsieur bien de sa personne. Ah, c'est vrai. Vous êtes en effet bien de votre personne. Grand, séduisant, jeune. Mais 44. Des vrais. Ah. Confidence pour confidence, j'en ai un de plus que l'annonce ne le prétendait. 36 ans, une vieille femme. Oh. Non, ne protestez pas, mon miroir me renseigne. Revenons plutôt à notre petit problème. Pourquoi utiliser le biais des annonces? Vous cherchiez aventure. Peut-être la cherchez-vous encore. Mieux vaut que vous soyez fixé dès à présent. Pas question d'aventure.
Ah, mais je n'y songeais pas. Si, si, comme tout homme à votre place. Si la possibilité d'un moment, ou même de quelques jours agréables, se présente, vous la saisissez, sans souci des conséquences. Et vous avez raison, Elvire. Au fond de moi, je n'avais pas d'intention bien précise. Mais dès que je vous ai vu... Si je disais oui tout de suite, répondriez-vous non? Je dirais oui, mais pour vous garder. Ah, pas mal, monsieur. Vous êtes décidément mieux de votre personne. Continuons, vous êtes, m'avez-vous écrit, assez avisé pour gagner beaucoup par un travail modéré, un travail honnête? Je donne des conseils juridiques, financiers, fiscaux. Cela me laisse pas mal de liberté. Non, je ne serai pas l'époux invisible. Voilà une qualité appréciable, toutes mes amies se plaignent du leur. Déjà marié? Divorcé. Mauvais point. Ah. Avec pension? Ah non. J'aurais été plutôt fondé à exiger des dommages d'intérêt. Vous? Elle me rendait jaloux. Je saurais ne plus l'être. Maxime, il faut tout nous dire franchement. D'accord? D'accord. Alors, à mon tour. Le physique, vous le voyez. Et j'apprécie. Avec le maquillage et un bon coiffeur, on arrange bien des choses. À condition d'être une jolie femme. Ah, de mieux en mieux. Nous faisons des progrès, mais vous ne connaissez pas tout. J'ai été mariée. Mais le contraire aurait été un mauvais point. Divorcée? Veuve. Après avoir été très malheureuse. 6 mois supportables. Et 10 années infernales. Le divorce, j'ai des convictions religieuses. Au moins, vous n'étiez pas mariée à l'église? Non. Je respire. Comme j'ai respiré, je l'avoue, quand j'ai perdu Alfred. Son unique bonne action aurait été de me laisser une situation, disons, acceptable. Après, j'ai eu le besoin de liberté. Oh, sans excès ni scandale, je me suis éprise d'un garçon plus jeune que moi. Il s'est montré ignoble. Non, Elvire, à quoi bon? Il faut tout connaître d'hier pour que demain ait quelque chance de bonheur. Et voilà pourquoi j'ai publié cette annonce. Il m'a semblé que j'avais là le moyen de rencontrer le bonheur. Vous, Maxime? Elvire, je vous ferai oublier. Entrez, Maxime. Ah, voilà ma pièce préférée. À la fois salon, salle de repas et plus encore, la pièce où je passe le plus clair de mon temps. Pas un meuble, pas un tableau, pas un vase que je n'ai choisi. Et toujours des fleurs? Ah, les vôtres, Maxime. Celle d'hier, celle d'aujourd'hui. Dois-je dire celle de demain? Cela ne dépend que de vous, chérie. Vous êtes très habile, chérie. Avec une maîtresse aussi séduisante. Vous êtes chez moi pour connaître ma maison? Pas davantage. Ah, ici, ma chambre. Oui. Ah non, elle ne vous intéresse pas. À l'opposé, la porte de la chambre d'amis. Vous la loueriez, je suis preneur. Dois-je comprendre que vous logez sous les ponts? Un appartement d'un homme seul offre un climat glacial. Ordonné ou non, de toute façon, il y manque une main féminine, celle qui fait le charme d'une existence. Ah, vous êtes un candidat redoutable. Oh, encore candidat? Vous n'avez pas satisfait à tous les examens. Asseyez-vous. Mmh. Un scotch? Oui. Ah, vous avez cigarette et briquet à portée de la main. Verre et bouteille. Merci. Chérie, m'autorisez-vous à faire une remarque? Non, quelle question. Eh bien, vous êtes une femme déconcertante. Ah. Oui, tantôt sur une réserve telle qu'on ose vous parler, et tantôt directe comme un chef d'entreprise. Vous étiez prévenue, plusieurs femmes sous une seule enveloppe. Mais quelle est celle que je ne devine pas en ce moment? Cela signifie-t-il que vous avez peur? Chérie, vous êtes celle que je n'espérais pas rencontrer. Oh, pas mal. Maxime, je suis presque décidée. Oh, presque, ai-je dit. Vous êtes exactement l'homme dont je m'étais tracé le portrait. Physique, morale, tout me convient.
Pourtant, je veux mettre toutes les chances de mon côté, faire en sorte que je ne regrette jamais rien. Oh, mais vous n'avez rien à craindre. Bon, admettez que je redoute à tort et faites ce que vous demande la femme d'affaires. Bon. Voici les conditions. Communauté de biens et une lettre par laquelle vous reconnaîtriez vos torts. Oui, je ne veux pas, une fois de plus, après les beaux jours de la lune de miel, me réveiller sous les traits d'une épouse dupée. Peut-être plaquée. Ruinée, qui sait. Donc, une lettre pour prévoir la chose. Une lettre non datée, évidemment. Oui, je commence à comprendre. Vous voyez en moi une aventurière à l'affût d'une bonne opération. Et je suis prête, Maxime, à vous en signer autant. La même lettre. Vous me tiendrez comme je vous tiendrai. Oui. Je suis un peu dérouté. Voulez-vous qu'on se revoie dans... 8 jours, vous suffit. Ah non, Elvire, non, je me moque de vos conditions, de vos craintes, de cette panique à la veille d'une nouvelle union. Non, ce que vous voudrez, chérie, je signerai ce que vous voudrez. Vous me plaisez de plus en plus. Alors, d'accord? D'accord. Venez. Je vais vous montrer ma chambre. Asseyez-vous, monsieur Chenevière, vous allez être satisfait. Satisfait et néanmoins légèrement anxieux. Tiens, vous vous posez en psychologue? Et il en faut, monsieur Chenevière, de la psychologie. Il en faut pour mener à bien les recherches délicates qui nous sont confiées. Psychologie pour obtenir la confiance de témoins rétifs, psychologie pour imaginer l'état d'âme de la personne à analyser, psychologie également pour définir le but exact auquel tendent nos clients. Ainsi, vous, monsieur, vous m'avez caché que vous comptez épouser madame L. Oui. Et par conséquent, ma curiosité est légitime. Et vos résultats? Madame L a été mariée à 2 reprises. Veuve une première fois. Et mariée 2 fois? Oui. D'abord à un certain comte d'Estiol, nettement plus âgé, une union qui a duré, je vais vous dire exactement, 1 an et 17 jours. Le comte s'est éteint comme une lampe qui manquerait d'huile. De bonnes langues ont chuchoté que la comtesse aurait aidé son époux à abandonner cette vallée de larmes. Pas de plainte, rien de tangible. Bénéfice du doute, dirons-nous. Oui, passons. Le second mariage. Là, les choses sont plus curieuses encore. L'union a duré davantage, quoique l'harmonie entre époux n'ait pratiquement pas existé, monsieur L faisant à sa femme une vie infernale, un homme odieux, il l'accusait de tous les péchés du monde. Il a fini dans un accident singulier, au cours d'une promenade en mer. Il nageait, il a disparu, madame L a appelé, et quand on l'a retiré de l'eau, il était trop tard. De quoi pouvait-on l'accuser? Je parle de madame L, bien entendu. Mais où voulez-vous en venir? Vous m'avez demandé une enquête. Dois-je poursuivre? Ah, parce que ce n'est pas terminé. Mais vous m'avez parlé de 2 mariages. Mais il y a eu aussi quelques liaisons, plus ou moins accusées. Des fiançailles annoncées également. Oui, ça, je sais tout cela. Vous a-t-on révélé que chacune de ces aventures s'est terminée à l'avantage de la dame? Elle possède le génie, semble-t-il. Le génie de presser le citron. Et mieux vaut ne pas opposer de résistance, sinon on éprouve des inconvénients. Soit dans ses affaires, soit dans son intérieur. Ce fut le cas d'un homme, marié par hier. Soit encore dans sa santé. Ah, madame L, pour tout dire, me fait un peu peur. Ah. Et c'est tout. À moins que vous ne souhaitiez de notre part la mise sur pied d'une surveillance spéciale à votre bénéfice. Au cas où vous persisteriez dans vos intentions matrimoniales. Oui, il n'en est pas question. Ah. Tant mieux pour vous, monsieur Chenevière. Tant mieux. Et à la prochaine fois. Maxime. Voilà près d'une semaine que vous m'avez laissé sans nouvelles. Je me demandais... Mais quoi donc, par exemple? Si, en définitive, vous m'estimiez trop déconcertante pour mettre à exécution un projet qui semblait vous plaire à l'origine. À moi aussi, je l'avoue. Oui, je me suis interrogée.
Il est vrai. Et vous revenez vers moi. C'est donc que vous avez triomphé de vos scrupules. Car il s'agit de scrupules, n'est-ce pas? Et la chose se présente, voyons, sous un jour un peu différent. Elvire. Je ne suis plus chérie. Il ne dépend que de vous. Non, Elvire, j'ai appris... Appris ou découvert? Découvert, cela signifie recherche. Peut-être enquête. Avouez, Maxime. Ça simplifiera la situation. Soit. Vous avez été mariée à deux reprises. Et veuve. Les deux fois. C'est exact. Mais une fois, deux fois, je distingue mal la différence. Mon passé m'appartient, après tout. L'essentiel, c'est que je sois prête à vous consacrer mon avenir. Mais voilà précisément la question qui me tracasse. Non, voyez-vous, Elvire, quand j'ai parlé de vous, sans dévoiler l'idée qui nous est chère, chérie. Non, on m'a, je ne dis pas mis en garde, mais révélé certaines étrangetés. La mort de vos deux époux n'a pas été exempte de quelques détails troublants. De quoi sont-ils morts, Elvire? À la bonne heure. Nous abattons nos cartes. Tout le jeu est sur la table, au moins. Non? Il y aurait encore autre chose. Parlez, je répondrai en bloc. Oh, dois-je m'y attacher? Je me le suis demandé. Non, il semble que, depuis la mort de Monsieur L., votre existence ait été assez mouvementée, non? J'aurais mauvaise grâce à faire une scène de jalousie avant l'heure. Pourtant... Pourtant? Et de ce que l'on sait, il semble que vous... Non, pardon. Pardon, Elvire. Vous ayez l'art de tirer profit de chacune de vos... De mes aventures. Dites le mot, Maxime. Soyez carré comme je le serai moi-même. Eh bien, tout cela est vrai. Je suis une aventurière. Feu, mon époux, le premier, le comte d'Estiol, a été assez courtois pour se retirer en me laissant quelques biens. Feu, monsieur L., mon second, était un homme exécrable, vous le savez. Il a eu un accident en mer. Qui pouvais-je? Allais-je refuser par inutile grandeur d'âme les profits que me procurait mon veuvage? La suite, celle de toutes les femmes seules. Vous, les hommes, vous demandez tout, et vous vous indignez s'il nous demeure au doigt quelques poussières endiamantées. Eh bien, vous voilà renseigné, Maxime. Il était inutile de confier une enquête à quelque officine de police. Non, Elvire, je... Je vous trouve bien timide, soudain. Est-ce une dérobade? Recevrai-je ce soir une gerbe de rose rouge et votre carte de visite pour prendre congé? Non. Non, mais je me sens troublé... Anxieux, comme si j'étais en face d'une nouvelle Elvire, comme si je ne représentais rien de plus qu'un nouveau pion sur le sombre échiquier de Madame L. Voilà de la franchise. Dois-je conclure que vous déclarez forfait? Moi, Elvire, vous ne pouvez méconnaître la puissance de mes sentiments. Je tiens à vous. Et en dépit de quoi une sourde crainte vous paralyse, Maxime? J'ai le moyen de vous rassurer. Et pleinement. Vous êtes un aventurier. Quoi? Oui, vous aussi, chérie. Remarquez-le, à mes yeux, vous restez chérie. Mais... Stop, stop. Vous m'avez accusé, j'ai répondu sans détour. À moi. Maxime Chenevière, 44 ans, sans profession connue, vivant d'expédient et présentement demeurant à l'hôtel. Habile séducteur, a obtenu de la concierge d'un immeuble luxueux qu'elle reçoive son courrier. Jeune, il est vrai, cette concierge. Et ceci explique cela. Mais Elvire, je vous jure. Je n'ai pas fini. Mariée il y a 20 ans. Vous en aviez donc 24. Mariée à Daniel G. Devenue veuf 5 ans après. Et mort curieuse que celle de Daniel. Une promenade en voiture. Une portière qui s'ouvre. Le malheur veut que l'auto longe un précipice. Enquête, bien entendu. Vous jouez la comédie fort bien, Maxime. Aussi bien que moi, chérie. Mais c'était un accident. Je n'en doute pas. Mais c'est un affreux accident. D'ailleurs, pourquoi nous en soucier? Il y a prescription.
Continuons. L'année suivante, vous avez 30 ans. Vous vous remariez. Union plus durable, il est vrai qu'Emma... C'était Emma, n'est-ce pas? Emma, donc, possédait, outre un tempérament débordant, la fortune en puissance. Un oncle fort riche. Celui-ci ayant eu enfin le bon goût de s'éteindre, oh, très naturellement, et sa nièce ayant bénéficié des largesses escomptées, que vous reste-t-il à faire, chérie? Oui, mais le divorce a été régularisé. Je sais aussi que depuis lors, et pour ne pas perdre la main, vous vous êtes fiancé un certain nombre de fois, 3 ou 4, le chiffre est douteux, et que ces fiançailles se sont mal terminées. Pour les dames et les demoiselles, bien entendu. Mais des idiotes, elles méritaient leur sort. Tout à fait d'accord, elles le méritaient. Je ne les ai pas tuées. Vous les avez déçues. C'est pire pour beaucoup. Enfin, nous n'allons pas commencer par une querelle, ce serait sordide. En vérité, chérie. Vous êtes une crapule, l'escroc au mariage, le don Juan qui tire profit de son physique avantageux pour séduire, certes, mais plus encore pour battre monnaie. Inutile d'établir mon bilan, c'est déjà fait. Et tout à l'heure, tandis que vous m'accusiez, je me demandais, prépare-t-il un chantage ou une fuite sans gloire? La fuite m'aurait peiné. Que vouliez-vous, Maxime? Oui, sous votre air faussement anxieux, sous votre tristesse simulée, quel dessein cachiez-vous? Vous tenir, vous épouser, vous battre avec vos propres armes. Bien. Ensuite? Sachant qui vous êtes, je ne risque pas le sort de mes prédécesseurs. Parfait. Le jour venu... Après? Glissez, j'ai compris. Que se serait-il passé après? Une négociation, sans doute. Vous ne raisonnez pas trop mal, chérie. Et aussi bien que vous, chérie. Presque. Voyez-vous, Maxime, lorsque j'ai découvert, découvert ce que vous étiez, donc ce que vous méditiez, en répondant à mon annonce, j'ai eu envers vous un grand élan. Enfin, je rencontrais l'âme sœur, celui qui me valait, celui qui puisait sa justification dans les subtilités du code, les procédures, les rencontres. Et pourtant, si je me trompais, si vous étiez moins que ce que j'imaginais, alors je me suis assigné un objectif, attendre votre offensive, la contrer et déterminer vos réactions. Et le résultat de vos observations? Vous me plaisez davantage. Chérie. Et en vous l'étoffe qui fait les grands capitaines. Vous évitez les excès, qui sont preuve d'insignifiance. Vous jouez sur plusieurs claviers, allant de l'apparente soumission à la rudesse flibustière. Oui, vous me plaisez. Avant de venir ici aujourd'hui, Maxime, avez-vous donné congé de votre chambre à l'hôtel? Oui. Bravo! Vous trouverez dans une armoire 2 pyjamas, l'un des deux est certainement à votre taille. Dans la salle de bain, une robe de chambre. Merci. Merci, madame L. Je vois. Vous avez deviné mon surnom. Et vous, chérie? En avez-vous un? Oui. Mais j'ai parfois rêvé à Barbe Bleue. Souvenez-vous alors que je n'ai pas de sœur. Qu'elle s'appelle Anne, ou autrement. Que je suis contente de te voir. Même chose pour moi, Noémie. Sinon, t'aurais-je appelé au téléphone pour que nous fixions un rendez-vous? Viens, viens. Laisse-moi contempler à quoi ça ressemble, une femme heureuse. Car tu es heureuse. Je suis satisfaite. Nuance. Explique. Pas facile, crois-moi. On n'ouvre pas des yeux comme des soucoupes. Oui, Maxime a tout de l'escroc au mariage. Tapis au coin des petites annonces pour tirer les cailles qui se mettent dans sa ligne de mire. Ah, bien. Et pourtant, tu l'épouses. Il est beau, inquiétant, charmeur, redoutable, insolent et sans scrupules. Le plus honnête homme du monde, comme tu vois. Eh bien, je te vois mal partie, ma fille. D'ici que tu viennes me conter tes déboires une fois de plus. Tu aurais sagement agi si tu avais demandé l'avis de ta vieille Noémie. Je t'aurais conseillé, profite des qualités du bonhomme, mais pas de « oui, monsieur le maire ». Je fais mes classes, rassure-toi. Cette fois, je ne laisserai pas une carte dans la main de l'adversaire. Je ne sais plus que te dire. Rien?
je suis décidée. Ah, sacré Maxime. Alors, tu as mis la main sur l'oiseau rare. Ah, tu l'as dit. Joli. Mieux, séduisante. T'es terriblement charmeuse. T'as une de ces femmes, vois-tu, Robert, qui d'emblée vous captive. Ouais. Et donc, cependant, on se demande si la fascination ne recèle pas une tare secrète. Voilà. Une omelette norvégienne. Ouais. Tu donnes envie d'y goûter. Fidèle? Jusqu'ici, oui. Enfin. Oui, enfin, tu ne la fais pas suivre. Pas encore. Et comme tu dis, pas encore. C'est comique. Toi-même, vieux Maxime, tu parais à la fois enthousiaste et réfrigéré par la dame. Oui. Elle serait contagieuse? Par moments, elle m'inquiète. Uh-huh. Bon, après tout, je suis payé pour ne pas m'embarquer à la légère. Oui, enfin, j'espère pour toi que tu as pris tes... Oui, tu parles. Hein. Après trois expériences désastreuses, je n'allais pas courir à l'échec sans contrôler la marchandise, non? Uh-huh. Non, très bien, c'est très bien. Excellent produit, matière première garantie, fabrication de qualité... Et malgré tous ces avantages, tu conserves une sorte de réticence intérieure. Hein? L'avertissement de l'intuition. Un peu ça. Et la chose est d'autant plus curieuse qu'Elvire... oui. Elle s'appelle Elvire. Autant suspend ton vol et vous, heureux propice, suspendez votre cours. Tu disais que c'est curieux que... Oui. Oui, elle ne m'a rien caché d'elle-même. Bah. Non, de son caractère, de ses idées, de ses dessins... Le mariage, à ses yeux, répond sans doute aux nécessités fonctionnelles, mais aussi, et qui sait plus encore, aux exigences financières des époux. Le mariage à faire, quoi. Exactement. Dis-moi, mon vieux, tu n'es pas précisément une affaire sur le plan financier, social, enfin, tout et tout. Hein? Ton bilan se solderait plutôt en débit chiffre rouge. Ouais, Elvire le sait. Elle me prend tel que je suis, va-t'en expliquer. Que le temps qui gémit, le roseau qui soupire, que tout ce que l'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Eh bien, voilà qui est fait, Maxime. Eh oui, Elvire, en bonne et due forme. Madame L est devenue Madame Maxime Chenevière. Content, chérie. Content, chérie. À condition que Madame Chenevière n'envisage pas avec intérêt le jour où elle serait de nouveau Madame L. Un divorce? Surtout pas. Tu m'en aurais ôté l'envie si d'avance j'en avais connu les inconvénients. En effet, un solide veuvage est préférable. Oui. Non, tu me pardonneras, Elvire, si je ne te suis pas sur cette route. Je n'ai aucune envie de mourir, surtout pas, pour faire ta fortune. Serait-ce donc que tu m'as condamnée, moi? Confidence pour confidence, j'y suis tout aussi hostile, mon petit Maxime. Bravo. Je constate, ma petite Elvire, que nous nous rejoignons une fois de plus. Nous n'avons ainsi que la moitié de la route à parcourir pour nous rejoindre. Exactement. Voyons ton plan, Maxime. D'abord, ne pas altérer notre lune de miel. Merveilleux. Ensuite... Secondo, par conséquent, et de la manière la plus logique, la plus normale et la moins suspecte. Passons... Tu songes à doubler notre assurance. Voilà, voilà, voilà. Alors, nous avons l'assurance tout risque contre ce que toi ou moi envisagerions éventuellement de tenter contre moi ou toi. Et il nous faut maintenant l'assurance d'une vie meilleure parce que débarrassée des soucis d'argent. Est-ce là aussi ce que tu méditais, chérie? Oui, chérie. Depuis que j'ai découvert ta vraie personnalité. Exactement comme moi. Donc toujours d'accord. On souscrit la même somme très confortable sur la tête de l'un et de l'autre réciproquement. Voilà, et tu es exquise, chérie. Tu es adorable, chérie. Tu me fais penser au vers de Racine. J'avance des succès dont j'attends le trépas, et pour m'assassiner, je lui prête mon bras. Parce que ? Évidemment, chérie. La chose est tellement plus facile pour un homme. Sans compter que tu as été plus ou moins inquiétée jadis. Tandis que moi, jamais. Je ne suis qu'une faible femme. C'est dit. Nous préparerons ta mort après notre lune de miel. Entendu. Puis je dis non, non et non.
qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Nous sommes si bien sur cette plage au soleil. Personne autour de nous. Seuls, nous sommes seuls. Que demander de plus à un voyage de noces? Mais nous sommes seuls, c'est vrai. Tu m'aimes, enfin je le crois. Et je t'aime, c'est sûr. Oui, je me suis pris à mon propre piège. De jour en jour, je tiens à toi davantage. C'est inespéré, notre revanche sur le passé. Non, non, car je ne cesse de penser à l'avenir. Et cet avenir que tu prépares, si bien. Cette idée gâche les meilleurs moments, alors je le déclare, j'entends savoir. Quoi? Tes plans! Que veux-tu savoir? Ton plan de bataille. Soit. Nous avons satisfait toi comme moi aux examens médicaux, bon pour l'assurance. Les papiers vont arriver. Nous paierons la prime. Après quoi, tu meurs. Légalement, bien entendu. Oui, ma mort, mais de quelle manière? La noyade serait l'idéal. Hélas, deux époux noyés coup sur coup, l'assurance en prendra ombrage. Le mieux, c'est l'auto. Un bon accident, et la voiture qui flambe, je sanglote sur ton corps. Oh, mon pauvre chéri. Ah oui, oui. Aimer ce corps, où le prendre? Tu n'aurais pas une idée? Aucune. Et tu ne fais rien pour m'aider. Quand je songe que tu cherchais une épouse dans les annonces matrimoniales avec la ferme intention de te débarrasser d'elle ensuite tout en gardant sa fortune. Non, tu me déçois, Maxime. Tu me déçois. Comment espérais-tu l'exécuter, la dame? Eh bien, réponds. Mais j'aurais décidé selon la personne, sa famille, ses ressources, ce que... Bon, l'improvisation, tu l'as dit. Ouais. La méthode la plus sûre pour se retrouver aux assises. Mais tandis que toi, tu établis ta stratégie et tu t'y tiens. Veux-tu que je te dise? J'en suis à me demander si tu ne répands pas du poison dans mes aliments. Non, ce serait peu pratique. Non, ce qu'il nous faut, c'est un brave gars anonyme, ayant ta taille et ta silhouette. Et assez de ce bas monde. Il prend tes papiers, s'habille avec tes vêtements et hop, envoie la musique. Oui, et moi pendant ce temps? En route pour le Brésil, par exemple, sous un faux nom. Le Brésil, Rio, Copacabana, Brasilia, c'est un rêve. Mais rien ne garantit que tu me rejoindras une fois encaissé l'assurance. Surtout si nous décidons d'annuler nos lettres de révélation. Tu peux toujours reparaître et me causer quelque ennui. Oui. Oui, c'est faisable. Mais où dénicher mon double? Tu n'aurais pas un copain un peu neurasthénique par hasard? Non. Bon. Non, je dois décidément ne compter que sur moi. Une seule solution, donc, le clochard. Pardon? Disons le trimardeur. Un de ces types qui arpentent les routes, sans amis, sans famille, un peu hors du monde déjà. Tu l'embarques gentiment dans ta voiture, tu bavardes, tu lui offres à boire. Oh, ils ont toujours soif. La suite, à toi de jouer. Ah, au moins, tu n'as pas laissé l'empreinte de ta mâchoire chez un dentiste. Admire mon sourire, chérie. Il est intact. Non, mais dis-moi une fois, cet excellent trimardeur anonyme délivré de l'existence, comment m'en irais-je? C'est enfantin. Avant l'opération, tu te seras procuré des faux papiers. Avec eux, prendre l'avion, disparaître, quoi de plus facile? Moi, je refuse. Tu goûtes les complications, je vois. Non, je refuse, non, par scrupule, mais parce que je n'accepte pas d'être seul à assumer le risque. Oserais-je te faire observer que, primo, il me faudra identifier ton corps, secondo, inviter l'assurance à régler, tertio, encaisser l'argent? Bon, mais tout de même, ce clochard... Bien, trouve-le! Non! Alors, de grâce, fie-toi à ton Elvire. Et nous aurons tout ce que nous souhaitons. Hep ! Hein ? Vous allez loin comme ça ? Par là. Je peux vous rapprocher ? Ah, c'est pas de refus. Ouais. Ok, je faisais pas signe, quoi, ça sert à rien, donc. Ah ben vous, au moins, vous êtes bien honnête. Hein. Allez, montez. Merci. Je descends sur Briançon. C'est votre chemin? Oh, là ou ailleurs. Ah. J'habite nulle part. Alors, ça vous plaît, cette existence-là? Bon, vous savez, ça ou autre chose. Hein. Faut aller au bout de sa vie. Ben, si vous voulez... Je suis de l'assistance, pas de femme, pas d'enfant. Alors on va, et puis un jour ou l'autre, et ben, hop, dans le trou. Vous n'êtes pas gay, vous, hein? Buvez un coup à ce flacon. Et tenez. Ah, merci. Ah, vas-y, du raid, hein?
Ah, pas à chiquer, vous êtes brave. Hein. Oh, dites, regardez la ferme, là, en bas. Hein. Ça... Je pensais y dégoter du boulot. Mais vous voulez descendre? Ah non, oh, non, 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 oh, non. Hein. Je suis trop bien. C'est... Ah, ça... C'est de la bonne bagnole, ça. Ouais, hein. Allons, tant que je vous ennuie pas, allez, gardez-moi avec vous, quoi. Hein, hein. Vous êtes de la région? Oh, je n'ai pas de région. Un jour ici, le lendemain ailleurs. Ben, dites, je peux y donner encore un coup, flacon. Hein. Allez, tenez. Merci. Vous ne gênez pas. Allez, allez-y. Ouais. Vous connaissez personne, alors, dans le coin? Oh, qui est-ce qui me connaîtrait, hein? On n'a pas de figure, nous autres. Rien que des bras pour faucher, engranger, mener les bêtes, nettoyer le tracteur. Tiens, je parie que si vous me rencontriez demain, ben oui. Vous ne sauriez pas seulement me reconnaître. Mais non. Mais si, 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 si. Ah, il est bon votre jus de raisin, hein. Ça c'est du vrai. Albert Gaétan, c'est mon nom. Ouais, né à Saint-Didier, 48 ans. Ah, ah non, non, non. 47 à la Chandeleur. Eh ben, Albert, il vous a à la bonne. Ouais, monsieur. Parce que t'es pas fier, toi. Non, non, ça, t'es pas fier du tout. Allô? Allô, Elvire? C'est toi, chérie? Oui, c'est fait. Tout est en ordre. Après-demain. Je n'ai pas pu obtenir de place avant, je te rappellerai. Oui, oui, bien sûr. Je ne sais pas à quelle heure je serai à la maison. J'aurai pas mal de courses, tu devines. Bon, bon, je t'écrirai. Et moi, où t'écris en attendant? Ario, poste restante. Dès que j'aurai une adresse, je te l'indiquerai. À bientôt, Elvire. À bientôt, chérie. Je compte sur toi. Sois tranquille. Madame Chenevière? Oui. Excusez-moi, madame, votre mari n'est pas ici? Non. Mais, monsieur... Inspecteur Martin. Ah. Maxime aurait-il commis une infraction? C'est-à-dire, madame, votre mari... Dois-je comprendre qu'il est absent? Il est, enfin, en voyage. Je le suppose. Voici 3 jours qu'il est parti, depuis je suis sans nouvelles. Nous nous sommes... querellés. Une de ces disputes stupides entre époux, d'autant plus regrettable que nous sommes mariés depuis un peu plus de 3 mois. Je ne savais pas, sinon... Qu'est-ce que vous ne saviez pas? Maxime boit. Maxime, c'est lui, mon mari. Je sais. Bon, durant les premiers temps, je me suis aperçue qu'il abusait un peu du scotch. Puis insensiblement, je l'ai constaté, il boit. Je lui reproche, je m'efforce de le retenir, je l'ai même prévenu. S'il s'obstine, notre union est condamnée. Ah, ce n'est pas drôle, monsieur l'inspecteur. Je croyais avoir trouvé le bonheur. C'est mon 3e mariage. Il a été ramassé ivre-mort. Ça vaudrait mieux. Il y est parti en auto. Oui, sans aucune explication. Nous avons eu cette querelle, un mot en entraînant un autre. Je voulais le faire taire, ne serait-ce que pour la femme de ménage qui travaillait dans la pièce voisine. En fin de compte, je l'ai planté là et je suis sortie, un moyen pour nous calmer tous les deux. Une heure après, peut-être, quand je suis rentrée, il n'y était plus. Monsieur a pris une valise et il est parti comme un fou furieux, m'a dit la femme de ménage. Il n'est pas encore revenu. Et votre voiture? Il l'a prise. Nous la garons dans le square voisin, n'y est plus. Vous avez averti quelqu'un? Alerté le commissariat, le quai de Gèvres? J'hésitais. D'abord, comprenez-moi, je me suis dit, cuve ton whisky, mon bonhomme, quand tu reviendras à la niche, tu auras réalisé. Seulement, l'anxiété me gagnait. Si j'avais résolu de me planter là. Si je m'adressais à la police, comment réagirait-il? Je tergiversais. Où est-il, monsieur l'inspecteur? Est-ce que dans son état, il aurait causé un accident? Hélas, madame Chenevière, la chose est plus grave. Quoique moins lourde de responsabilité. Il a eu un accident, mais il en est la seule victime. Il est blessé?
Selon la gendarmerie qui a fait l'enquête, on l'aurait remarqué à un poste d'essence, surexcité, visiblement sous l'empire de l'alcool. Le pompiste lui aurait suggéré de se reposer un moment, il a refusé et payé, en oubliant sa monnaie. Une demi-heure, trois quarts d'heure après, sa voiture tombait dans un ravin. Et ? Le réservoir a explosé. De loin, des bûcherons ont aperçu l'incendie. Quand ils ont réussi à s'approcher, il ne subsistait que la carcasse tordue de l'auto. Sans les numéros en relief, l'identification aurait été plus malaisée. Oh mon Dieu. Et vous êtes sûr ? Si on avait volé l'auto ? Son portefeuille a été carbonisé, cependant il reste des débris de documents et surtout les initiales en or, M.C. Oh. C'est moi qui lui avais offert. Mon pauvre Maxi, c'est ma faute. Si je n'avais provoqué cette odieuse dispute, si je m'étais montré plus à droite. Oh, la malchance me poursuit. 3 mois, et me voici une fois de plus condamné à la solitude. Avec tout ce que cela implique de soucis et d'angoisses. Nous nous étions connus par l'entremise d'une annonce matrimoniale. Oh, nous n'y croyions qu'à moitié. Cependant, il nous a semblé que l'horizon s'éclairait. Ah, s'il n'y avait eu l'alcool. Ah non. Il faut me réhabituer à vivre en solitaire. Merci, monsieur. Vous avez été très bon. Si vous n'avez plus besoin de renseignements. Non, madame, non. Et pourtant, il y aura des démarches. Je m'en doute, mais pour l'instant, je vous en prie. C'est entendu. Je reviendrai, madame. Je reviendrai. Merci. Allô, j'écoute. Allô, chérie. Qui est à l'appareil ? Mais voyons, Elvire. Non, je vous en prie, monsieur. Je viens d'apprendre la mort de mon mari, une mort affreuse. Le moment est mal choisi pour les farces, croyez-moi. Bonjour, monsieur. Imbécile. Il nous ferait tout rater. Que quelqu'un surveille la ligne. Ah, les hommes. Je t'avais pourtant mise en garde, Elvire. Aventure, d'accord. Mariage à aucun prix avec ce type. Est-ce que ça y changerait, Noémie ? Je serais veuve d'une aventure, serait-ce plus plaisant ? Mais en tout cas, il ne figurerait pas sur ton état civil. La triple veuve, excuse du peu. D'ici qu'on te considère comme un porte-guigne. Épouser Elvire et mourir. Ah, dans ton genre, tu fais presque aussi bien qu'en Tinéa. Bon, allez, ma vieille. Je rigole, mais je compatis. Si pareille chose m'était arrivée. Non, impossible d'ailleurs. Mon époux ne boit pas. Note, tu ne m'avais jamais parlé de ce vige chez ton Maxime. Mais à t'entendre, il possédait toutes les qualités. Mais un ivrogne. Oh, j'ai eu mes torts aussi. Bon, adjugé, et on ne s'apitoie plus. De toute manière, tu es assez séduisante pour retrouver chaussure à ton pied. Qui sait même si ta renommée ne te rendra pas plus captivante. Les mâles sont si bêtes, Madame L. Tu es chic, Noémie. Et comment t'en tires-tu ? Oui, oui, soyons prosaïques. Le beau Maxime ne t'apportait pas le pactole. Toutefois, il devait tout de même contribuer... Il contribuera encore. Ah, de l'au-delà ? Ça ne doit pas être très pratique. On ne se nourrit pas d'ectoplasme. On ne s'habille pas avec une table tournante. Maxime était assuré sur la vie. Ah, mais tu ne m'en avais pas parlé. Ah, j'étais contre. Comme si ça allait porter malheur à l'un de nous. Vois, c'est lui qui me quitte. Et c'est lui qui me permet d'affronter l'avenir avec sérénité. C'est gros ? Hein ? Ben oui, l'assurance ! Ah, oh, assez, oui. Désormais, je n'ai plus de soucis. Ah, bon. Tu avais tort, avoue-le, de parler de lui en mal. Il aurait quand même mieux fait de ne pas se saouler jusqu'à se flanquer dans un précipice, écoute. Ah,
Monsieur l'inspecteur, je pensais vous revoir plus tôt. J'ai eu beaucoup d'occupations. Et permettez-moi de vous présenter Monsieur Delorieux. Ce nom ne vous dit rien, peut-être? Non, non, excusez-moi. Mais entrez, entrez, monsieur. Oui, merci. Vous pardonnerez le désordre? Vous déménagez? Non, pourquoi? La pression, je me trompais. Tant mieux. Monsieur l'inspecteur, je n'ai pas été gratifié d'une intelligence exceptionnelle. Cependant, j'ai l'intuition que vous débarquez chez moi à la manière d'une machine infernale. À l'extérieur, rien de singulier. À l'intérieur, un explosif. J'attends. Si vous m'aviez laissé le loisir de vous présenter Monsieur Delorieux, vous verriez que ce n'est rien d'une machine infernale et secrète. Parce que Monsieur Delorieux tient une place dans mon existence, à mon insu. En quelque sorte, oui. Oui, Monsieur Delorieux dirige les services contentieux pour l'Europe de la Compagnie internationale d'assurance sur la vie. Vous saisissez? Oui et non. Nous avions en effet, mon mari et moi, souscrit une police. Importante. Oui, si vous voulez. Sur le coup de la mort horrible de Maxime, je n'y ai même pas songé. Venu le temps des soucis, des hommes d'affaires, de toute la sordide cuisine qui accompagne une disparition, j'ai été dans l'obligation... De demander le paiement du capital garanti. Jusqu'ici, nous sommes d'accord, n'est-ce pas, madame? Je ne vois pas... Nous y arrivons, nous y arrivons. À quelle date remonte la mort de Monsieur Chenevière? Il y a un peu plus de 3 mois, le 17 septembre. Cette date figure certainement dans ce dossier que vous tenez, comme dans celui de Monsieur Delorieux. Oui, oui. Que disiez-vous, Monsieur Delorieux? Oui et non. La formule est heureuse. Oui et non. Analysons, madame. Mise en présence des restes de feu, Monsieur Chenevière, vous n'avez éprouvé aucun doute. Des doutes? Alors si. Comment être certaine en face de rien? A-t-on seulement le courage de regarder? Je n'avais qu'une hâte, me soustraire à cette abomination. Qu'ai-je répondu? Oui, oui, c'est Maxime. Et n'y avait-il pas la carcasse de sa voiture, les débris de sa valise, ce qui subsistait de son portefeuille, sa montre, l'alliance que je lui avais offerte? Votre avis, Monsieur Delorieux? Ces indices étaient difficiles à réfuter. Ce qu'on peut regretter, c'est que Monsieur Chenevière n'ait jamais eu recours à un dentiste pour quelques prothèses. Ça, alors, rien de tel. Maxime était fier de sa denture. Voilà un détail intéressant, et d'ailleurs pittoresque. La mâchoire supérieure de Monsieur Chenevière mort justifie une fierté, comment dire, relative. Je ne peux vous répondre que ceci. En à peine 3 mois d'union, ses dents ne l'ont jamais fait souffrir. Parfait, parfait, parfait. Vous partagez mon avis, Monsieur Delorieux. Le mari de madame est mort. En effet. Et par conséquent, madame, vous êtes veuve. Pour la 3e fois. À notre première rencontre, c'était là, m'a-t-il semblé, la cause principale de votre chagrin. De là à prétendre que je porte malheur, monsieur. Pour un mot d'esprit, quel est celui qui hésite à blesser, à déchirer? Parmi mes amis, même les meilleurs, j'ai un surnom. Vous ne demandez pas? Je sais. Oui, moi aussi. Madame L. Oui, vous confesserai-je que nous n'aurions pas souscrit votre police d'assurance si nous avions connu ce surnom, Madame L, assurant son mari sur la vie. Le contrat était réciproque. Je pouvais mourir. Ça aurait été Maxime le bénéficiaire. Il ne s'appelait pas Monsieur L, lui. Hélas, son passé, que nous ignorions, était aussi chargé que le vôtre. Telle est votre opinion, monsieur l'inspecteur? À la vérité, elle dépend encore de vous, madame. À la vérité, comme vous dites, monsieur l'inspecteur, j'ai le sentiment que vous avez mûri un plan. Un plan de longue date et à lointaine échéance. Sur le terrain choisi par vous, et vous n'avancez un pion que si votre allié, monsieur Delorieux, est prêt à soutenir votre offensive. Une stratégie en commun, quoi. C'est cela. Notre objectif, s'il vous plaît? Ne pas payer ce qui m'est dû. Ce qui m'est dû par l'assurance, ici représentée par Monsieur Delorieux. Voilà pourquoi vous êtes associé. Cette veuve a une chance exorbitante. Comment elle toucherait 100 000 $ pour une union aussi éphémère? Faisons-lui peur, hébétons des doutes, usons de sous-entendus, elle renoncera. Ainsi, tel est le motif pour lequel la Compagnie internationale d'assurance sur la vie
me mène en bateau. À cela, je vous réponds, et c'est un ultimatum, quand me réglez-vous, monsieur Delorieux? La question est moins simple. Me direz-vous pourquoi? Admettez, madame, que se trouver en présence d'une veuve à la puissance 3 n'est pas banal. Vous me faites payer le prix de la malchance. À mes deux veuvages précédents, m'a-t-on réglé quoi que ce soit? Vous ou une autre compagnie? Non? Du jour au lendemain, je me suis trouvé sans époux et sans ressources. Je m'étais laissé dire que vous aviez été modérément à plaindre à la suite de ces deuils. Mon premier, j'étais toute jeune. Lui, un vieillard. Mon second, je l'aimais. Il me traitait odieusement. Mon troisième, je croyais à la sécurité. Me revoici seul. Est-ce donc trop exigé que mon tout soit le paiement de l'assurance? Comme vous présentez les faits, monsieur Delorieux et moi serions de tristes bourreaux en face d'une blanche colombe. Non, je pense plutôt à deux chats unis contre une souris. Soit. Cessons notre jeu les uns les autres. Avez-vous reçu des nouvelles de feu, monsieur Chenevière? La plaisanterie n'est pas du meilleur goût. Je ne plaisante pas. Vous êtes ignoble. Vous n'avez pas répondu. Je préciserai donc des nouvelles récentes. Alors non. Depuis son départ, après notre querelle et dans l'état que vous savez, je n'ai rien su de Maxime, sauf ce que vous-même et l'enquête m'avez révélé. Pas de lettres, pas d'appel téléphonique, au besoin par l'entremise d'une tierce personne. Rien! Et si votre visite n'a d'autre but que ce genre d'insinuation, alors allez-vous-en, tous les deux. Que faisons-nous, monsieur Delorieux? Nous restons. Je vous abandonne les lieux. Pas avant d'écouter une histoire assez originale. Mais oui. Asseyez-vous, madame. Figurez-vous qu'il y a quelque temps, à Rio de Janeiro, Brésil, une bagarre met aux prises des individus plus ou moins suspects. Le hasard veut qu'un Français s'y trouve mêlé, un homme arrivé depuis peu et qui normalement n'avait rien à faire là. Un mauvais coup, le voilà transporté à l'hôpital, il meurt. La police fait une enquête et le dossier arrive en France. Mon récit vous passionne, j'espère, madame? Pas le moins du monde. N'avez jamais entendu parler de Max Chevier? Max Chevier? Non. Est-ce tout? Oh que non! Le passeport de Max Chevier, fournissant les indications nécessaires, on inscrit le décès en marge de l'acte de naissance à la mairie. Ou plutôt, on veut l'inscrire, car tenez-vous bien, il n'y a pas eu de naissance d'un Max Chevier à Saint-Just-des-Marais-Oise le 9 juillet 1918. La guerre pouvait expliquer un certain désordre, mais tout de même, les registres existent. Alors on a cherché, avant, après, pas de famille Chevier à Saint-Just-des-Marais. Des réfugiés, peut-être? Ah, tout était possible en ces jours troublés. Vous n'auriez pas, madame, connu un Chevier? Non. Au contraire, vous êtes étonnée. Notez que la contraction dans le prénom comme dans le nom est symptomatique chez les individus qui adoptent une identité de commande. Max pour Maxime et Chevier pour Chenevière. Parce que Maxime serait mort à la fois dans les Alpes et au Brésil à 6 mois de distance. Nous nous le demandons, madame. C'est donc là-dessus que vous vous fondez pour refuser de régler l'assurance. Mon avocat n'aura pas grand mal. Si, madame. Les Brésiliens sont gens scrupuleux. S'agissant d'un étranger, le Brésil étant souvent choisi par des criminels pour s'y camoufler, on a relevé les empreintes du Max Chevier en question. L'absence de ce nom sur les registres de Saint-Just-des-Marais a conduit tout naturellement la police à consulter les sommiers. Je n'oserais pas, madame, vous demander si vous connaissez le professeur Balthazar. Qui est-ce? Un criminaliste en renom. 1/4 N. Telle est sa formule, vous voyez. Non. C'est enfantin. Cela signifie que pour trouver 17 points de ressemblance entre deux empreintes digitales, il faut consulter les empreintes de 17 179 869 184 individus. Alors, suis-je assez explicite? Oh, pas encore. Madame, souvenez-vous que Maxime Chenevière, votre époux, fut jadis arrêté. Alors, nous avions de lui par conséquent le jeu complet de ses empreintes. Les 10 doigts. Or, nous avons maintenant le jeu complet des empreintes de Max Chevier, mort à Rio. Et nous avons relevé 17 points de ressemblance. Une chance sur 17 milliards pour qu'il s'agisse de deux personnes différentes. Et il n'y a que 3 milliards d'humains sur notre Terre, madame. Vous partez? Nous nous sommes tout dit. Nous établirons peut-être, rien n'est moins certain, l'identité de l'homme que Maxime Chenevière a mis dans l'auto et sans doute tué à sa place. Mais
Comment établir que vous étiez, vous, au courant de la substitution, du meurtre et de la fuite de votre époux? Il faudrait que vous choisissiez d'avouer, ce qui m'étonnerait. Alors? Oui, je vois. Mais pourquoi venir ainsi me menacer, en quelque sorte? Je vous ai menacé, madame? Ma visite n'avait qu'un but, vous mettre au courant. L'action publique est éteinte contre feu Maxime Genevière. Vous avez donc le droit de le pleurer très légitimement. Vous êtes veuve. Et pourquoi, monsieur Delorieux? Un simple détail. Si madame exigeait le règlement de l'assurance, que feriez-vous, monsieur Delorieux? Une plainte immédiate. Complicité d'assassinat, de faux, d'escroquerie, etc., etc. Et si madame oubliait son contrat d'assurance? Nous aurions la mémoire aussi courte qu'elle. Compris. Allez-vous-en. Allez-vous-en! Les hommes, c'est fini. Ah, c'est bien fini. Mais oui, mais oui. Évitez une quatrième expérience, madame Landru. Madame... Pardon. Madame L.